Elle est née en Dordogne, mais c'est à Paris, Zurich et surtout Pont-Rontrui qu'elle a grandi. À 31 ans, cette étoile de la littérature suisse signe déjà son 4e roman. Merci d'accueillir Elisa Sua du Sapin. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait un petit peu de place dans votre agenda. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, c'est un peu intimidant. Qu'est-ce qui est intimidant ? En plus, j'ai l'habitude de parler à un public. On fait la tournée des médias partout. Oui, mais je vous assure, à chaque fois, j'ai le cœur qui bat. On s'y habitue pas. C'est vrai que vous êtes quand même assez occupé. Hein. Le film adapté de votre livre Hiver à Sochaux sortira prochainement. Vous étiez l'invité de l'honneur aux côtés des auteurs Joël Dicker et Noémie Bischoff du dernier Salon du Livre de Genève. Avant ça, l'automne dernier, monstre tournée promotionnelle pour la sortie de votre dernier roman, Le Vieil Incendie. Ce printemps, c'est quoi le programme ? On se calme un peu ? Ça continue. Ça continue dans d'autres pays, donc ouais. C'est d'autant plus intensif. Dans d'autres langues aussi, alors ? Vous allez devoir faire de la promo en anglais ? Dans d'autres langues, j'en reviens en fait. J'étais 10 jours au Royaume-Uni. And so, how is the English is okay for the television ? En fait, j'assume de paraître très stupide en anglais. C'est vrai ? Mais même quand je demande des interprètes, je crois qu'ils pensent que vraiment, en tant que francophone, on est de toute façon censé parler anglais. Donc généralement, il n'y en a pas. Alors je me débrouille et okay. Apparemment, ça va. Vous avez l'habitude de voyager depuis votre naissance. Hein. Après quelques loopings, vos parents atterrissent à Pont-Rontrui, dans le Jura, lorsque vous avez 5 ans et demi, plus précisément à Bresse-aux-Coups. Dans la banlieue de Pont-Rontrui, enfin la banlieue Brin-Trutaine. Qu'est-ce qu'il y a de si super là-haut pour avoir envie d'y rester encore aujourd'hui à 31 ans ? D'y revenir, on va dire. Déjà, je suis à Pont-Rontrui, mais Bresse-aux-Cours, à chaque fois que je pense à ce village, j'ai l'impression que c'est comme une paume ouverte avec. Le corps, ce serait la frontière qui est derrière, avec une sorte de. Enfin, la forêt. Enfin, je sais pas, en fait, on se sent vraiment protégé et en même temps, il y a une ouverture vers la vallée. Vous me disiez que c'est pour vous le plus beau village du monde ou de Suisse ? C'est un de mes plus beaux villages. Ouais. Et vraiment, je le pense, en fait. Et il vous a servi parce que quand vous étiez petite, il n'y avait rien à faire, donc vous avez commencé à lire des livres. C'est ça, non ? C'est surtout que je parlais moins bien français que coréen quand je suis arrivée au ouais. Jura. Donc, j'ai dû me mettre au français pour pouvoir espérer devenir jurassienne. Et le fait qu'il n'y ait pas de bowling, de McDonald's, tout ça, ça vous a permis de passer plus de temps à la bibliothèque. Entre-temps, il y en a quand même. Oui, c'est vrai ça. Ouais, ça je crois qu'il y a même des feux rouges de temps en temps. Mais non. Provisoire, mais il y en a. Oh non, mais la légende est terminée. On va parler de votre carrière, de vos projets et de votre méthode de travail. Mais tout d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Alors oui, ça s'écrit chua comme shampoing, mais ça se dit sua comme de la soie, comme ça vous savez. Quelle est votre drogue favorite ? Alors perso, c'est pas la première question que je lui aurais posée. Elisa Sua du Sapin, c'est plutôt le genre sage, tendance première de classe. On n'imagine pas trop rôter sa bière en hurlant à un match du HC Ajoie. Pourtant, elle aurait pu. Elle a grandi à Pont-Rontrui et y habite toujours. Avant le Jura, elle a connu la Dordogne. Plus exactement le Périgord où elle est née il y a 31 ans. Une maman interprète, sud-coréenne, et un papa français acupuncteur. Mais son royaume enfant, c'est plutôt la bibliothèque des jeunes de Pont-Rontrui. Je faisais exprès de... Enfin, je prétextais à mes parents que j'avais loupé le bus pour pouvoir lire jusqu'à la fermeture. Et puis ado, déclic, elle décide qu'elle aussi, un jour, elle écrira. Moi, je crois que ça a été le premier voyage que j'ai fait dans le pays de ma mère, la Corée du Sud, quand j'avais 13 ans. C'est vraiment le moment où tout est parti pour moi. Et puis à 23 ans, un master en français moderne plus tard, elle publie Hiver à Sochaux, son premier roman qui lui vaut tout un troupeau de prix, y compris le National Book Award, une référence dans le monde littéraire anglophone. Elisa Sua du Sapin se frotte ainsi aux médias et à leurs questions parfois très inspirées. Et vous, Elisa, vous écrivez comment ? Couchée debout à votre ordinateur ? Dans toutes les positions possibles, je crois. La plupart du temps par terre. Depuis, dans toutes les positions, elle a écrit 3 autres romans, des pièces de théâtre. Elle a fait Pont-Rontrui Tokyo en train et en bateau. Et elle se targue d'avoir mangé du foie gras à la table de Brigitte Macron à l'Élysée. Aujourd'hui, son premier roman est en train de devenir un film. Hiver à Sochaux, pour celles et ceux qui n'aiment pas lire, c'est prévu l'an prochain au cinéma. L'exposition médiatique, les mondanités, tout ça ne semble pas avoir eu raison de la sagesse ni de la modestie à toute épreuve d'Elisa Sua du Sapin. Ah, et pour répondre à votre question, mais bien sûr qu'elle se drogue. Quelle est votre drogue favorite ? Il y en a plusieurs. L'amour et la marche à pied. La course à pied. Elisa Sua du Sapin.
vous présente Yves Beck, auteur roman, tout comme vous. Vous avez lu son dernier roman, Le Vieil Incendie, publié en août aux éditions Zoé. Qu'est-ce que vous en avez pensé, monsieur Beck? Eh bien, l'histoire de ce pigeonnier ardent dans le Périgord et de ses deux sœurs, dont l'une est mutique, qui doivent se rabibocher après des années de séparation avant de vider la maison familiale, cette histoire m'a fait beaucoup rire. C'est vrai que c'est une comédie, ce roman? Non, mais en fait, c'est rare qu'on rencontre vraiment des auteurs avec qui on se sent connecté à ce point, parce que... juste pour l'anecdote, non, mais en fait, le titre de ce roman devait être Le Pigeon Froid. Ah. Et c'est vrai. Vous auriez préféré? J'aurais préféré. Bah voilà, généralement, il n'y a que les auteurs qui me disent ça. C'est vrai. Donc, il n'y a aucune comédie dans ce roman. Enfin, en tout cas, pas volontaire. J'ai pas réussi encore. Quel sentiment cherchez-vous à éveiller chez le lecteur? En fait, honnêtement, c'est pas une question que je me pose. Je crois que j'essaye plutôt quand j'écris... Vous vous en fichez? Non, je m'en fiche pas, mais je crois que quand j'écris, vraiment, j'ai des intuitions de base qui me poussent à imaginer... on peut le dire comme ça, peut-être. Mais je crois que c'est vraiment... les émotions qui apparaissent, elles me surprennent. Elles ne sont pas contrôlées du tout et Pas pendant le processus. Ouais. Et par contre, ce que le livre provoque, c'est qu'à partir du moment où justement je suis confrontée à la critique et au public, que petit à petit, je comprends ce qui s'est passé. Vous allez avoir l'occasion de déployer vos... Je ne savais pas que ça faisait rire, mais... Bah, vous avez été en tout cas amusé à quelques instants. À la page 25, j'ai ri. Un bon livre, c'est quand même un livre qui a du style, du rythme, des personnages forts et une histoire passionnante. Enfin, c'est ce qui se dit en tout cas, c'est ce que disent les critiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Genre, le livre... Qu'est-ce qu'un bon livre? Ouais, pour vous, votre livre préféré ou quelques-uns de vos livres préférés, est-ce que vous arrivez à dire qu'est-ce qui vous a vraiment accroché? Pour moi, les livres que je sais que je n'oublierai pas, ce sont ceux que je ne comprends pas tout à fait. Ceux qui me laissent... Ceux qui sont écrits en arabe, par exemple. Par exemple. Tout le fait que j'ai envie d'aller apprendre l'arabe, d'ailleurs, oui. Et c'est vrai, en plus. Mais, non, mais les livres où, justement, tout n'est pas forcément expliqué. Et que, en fait, avec mon propre imaginaire, j'ai de la place pour rentrer dedans. Et je pense que, dans ce que je fais, d'ailleurs, je crois qu'avant, en préparation, on parlait du nombre de pages. Ouais. Mes livres sont assez courts, mais je crois que c'est parce que j'ai une grande confiance en la capacité des lectrices et des lecteurs à... S'approprier, en fait. Effectivement, à rentrer vraiment dans ce que moi, j'imagine, mais qui est vraiment juste une sorte de... C'est ce qui se dit d'ailleurs, vous en gardez sous le pied, les gens en fait se font le reste du travail, font le dernier kilomètre. Vous, qu'est-ce qui est important pour vous, vous qui êtes aussi auteur, monsieur Beck, qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous écrivez? Pour moi, c'est la fin. D'accord. Donc je dois trouver la fin? Non, la fin. Je suis, comme je ne suis pas payé pour écrire, comme Sua du Sapin, eh bien, d'ailleurs, c'est du Sapin ou Sua du Sapin? Du Sapin. Ah, Sua, c'est un prénom. Sua, oui, c'est mon prénom coréen. Pardon. Donc la fin. Oui. Donc moi, je suis nourri, absent, pas nourri. Pas nourri pour ça. De vrai, mais nourri un peu, d'accord, au sens figuré. Donc c'est ça qui génère l'écriture. D'accord. C'est la fringale. La fringale. Et parlons de la fin F.I.N. Est-ce que quand vous commencez à rédiger un livre, vous savez comment il va se finir? Ou en tout cas, vous avez un peu une idée? Mais l'enchaînement. Merci beaucoup. Mais c'est une question vraiment intéressante, parce que parfois, en fait, ça dépend vraiment des projets. Parfois, je sais exactement comment ça va commencer. Mm-hmm. J'ai aucune idée de la fin. Il me faut des années, littéralement, pour arriver au bout. Et parfois, je ne sais vraiment pas ce que ça va raconter, mais j'ai une image qui est la fin. Par exemple, dans mon deuxième roman, j'avais vraiment le rivage avec la petite fille qui va donc chercher ses grands-parents coréens et tout ça, pour les ramener dans un pays maternel. Et en fait, elle part seule. J'avais cette image-là, mais je ne savais vraiment pas comment j'allais y arriver. Donc ça veut dire que pour ça... Oui, non, juste pour se représenter la chose, c'est-à-dire que vous écrivez page après page, sans, comme ça peut être le cas dans les scénarios de cinéma, par exemple, un plan d'attaque, des personnages, des arcs déjà bien précis. Vous allez, c'est du hors-piste. Je n'ai pas de plan. Mm-hmm. J'essaye d'en faire, parce que ça me rassurait d'en avoir. Ouais. Mais je ne sais pas comment vous faites, mais en tout cas, à chaque fois... Je vous ai interrompu de façon tout à fait abjecte tout à l'heure. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous vouliez dire? J'adore l'abjection. Non, je voulais savoir si vous vous posiez parfois la question de savoir si les gens allaient la lire, cette fin, car non, eux sont ceux qui ne la lisent pas. Alors, je pique la balle au bon. Ah, quelle bonne transition. C'est vrai qu'après...
que d'après l'entreprise Kobo, hein, qui diffuse des ouvrages électroniques, donc Kobo, hein, c'est ces petites plaques. C'est les liseuses. Hein, liseuses, voilà. Les livres ne sont pas du tout tous terminés par leur lecteur. Hein. Il y a deux exemples, 12 Years a Slave, que j'ai pas lu personnellement, de Solomon Northrup, qui n'a par exemple été terminé que par 28% de ses lecteurs. Et puis, plus récent, Le Chardonneret de Donna Tartt, qui est le prix Pulitzer Fiction 2014, très très juste, n'a été terminé que par 44% de ses lecteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais en tablette électronique? Oui, oui. Bah, je sais pas. Alors, dans mon cas, je me dis que on me dit souvent qu'il se passe pas grand-chose dans mes histoires. c'est les salauds qui disent ça. Oui, peut-être. Non. Faire du mal. Non, mais c'est vrai que. Enfin, on va jusqu'à la fin. Il y a pas beaucoup de rebondissements. Ah, donc on attend, on tourne les pages. En même temps, c'est fini. Non, mais en même temps, beaucoup de lecteurs me parlent de la fin de mes livres, donc c'est peut-être que jusqu'au bout, ils espèrent qu'il se passe quelque chose. Oui. Mais par contre, mon hypothèse pour les tablettes, c'est que, alors de nouveau, je sais pas vous, tout le monde, mais ouais. Moi, quand je lis sur un écran, j'ai l'impression que ce que je lis, ça, je l'absorbe pas vraiment. En fait. Ah. Je retiens moins que ce qui est sur le papier. Ouais. Alors, peut-être. Et vous avez un avis là-dessus, non? Oui, moi, je pense que ça doit être encore pire pour les livres en papier, là, le déchet, si l'on veut bien, de l'attention du lecteur. Ah, parce que les livres en papier ont la qualité que n'ont pas les tablettes de pouvoir être achetés pour être placés en décoration dans une bibliothèque ou pour frimer sur la table du... Ou même pour caler une table. Ou pour un peu... caler une table ou un cheval, allez savoir. Alors que ce n'est pas le cas des livres électroniques. Vous pensez que les gens qui lisent des livres lisent plus jusqu'au bout? Je sais pas, vraiment je. Moi non. Sais plus. Pas. Mais moi je suis la première à pas lire forcément les livres jusqu'au bout, donc je suis pas une bonne défense. Je suis très irrévérencieuse comme lectrice. Vous avez pas l'impression de traduire l'auteur quand vous posez ça. Non, moi j'en commence 20 à la fois, j'en ai plein partout. Vous avez grandi dans une famille plurilingue, le mélange de cultures est aussi au cœur de votre travail. Est-ce que la Suisse pourrait être une source d'inspiration un jour? Bien sûr, je pense que c'est une source d'inspiration. Presque vital, puisque c'est là qu'en partie je me sens... Enfin, déjà, j'ai grandi là, donc c'est en Suisse que j'ai eu mon éducation, et principalement linguistique. Et quand je dis linguistique, c'est que je pense que, déjà, la multiplicité culturelle et linguistique de la Suisse, elle résonne vraiment avec ce que je porte en moi. Et, mais vous ne parlez pas du tout suisse allemand, par exemple. Je le comprends un peu, je le parle... Enfin, non, à part... Est-ce que vos ouvrages traduits en Zürich? Oui. Non, pas en dialecte, madame. Mais en 35 ans. Ils sont en allemand, mais pas... 35 ans. Ouais. Elisa, salut Sapin, je vous propose maintenant de répondre à quelques questions, enfin quelques messages plutôt, laissés pour vous sur notre répondeur. Ah. Premier message qui devrait arriver, est-ce qu'on a un souci? Oui, je crois qu'il faut avoir... pause à la technique. Oui, c'est le week-end de Pâques. Oui, sont... bonsoir. Apparemment, tout le monde s'émerveille du fait que vous ayez déjà écrit 4 romans à seulement 31 ans. Mais franchement, je voulais savoir, ça prend combien de temps pour en écrire? Parce que votre premier, là, Hiver à Sochi, il fait 146 pages, sans compter toutes celles qui sont vides ou bien à moitié remplies. Alors je me dis que même en tapant avec seulement 2 doigts, il n'y en a quand même pas pour des mois et des mois ou bien... Action. Ben, en plus, je dirais que même je mets, je pense, 4-5 ans minimum. Mais je sais, c'est... Pas du tout rentable. C'est pas rentable, non, mais alors ça... Vous n'avez pas d'objectif de productivité, hein, une demi-page par jour, que sais-je. Parfois, vous ne foutez rien de la semaine ou quoi? Ben, je voulais vous demander comment vous faisiez, parce que... On n'aura pas le temps, mais peut-être vous pourrez en parler Moi, je fais de l'écriture automatique. Ouais, deuxième message. Ah, deuxième message. Oui, bonsoir. Ici Tommy Kung, réalisateur suisse de cinéma suisse. Madame Sapin, il paraît que vos livres peuvent être facilement adaptés au cinéma. Alors, moi, je cherche toujours des scénarios. Je voulais savoir si le dernier, il était toujours disponible. Je l'ai beaucoup apprécié parce que j'adore le feu. Et si oui, combien ça coûte? Par exemple, 3000, ça irait? Je vous laisse m'écrire sur Facebook. Ben... En fait, 3000, ça pourrait même aller, parce que c'est pas des prix hollywoodiens, en fait. C'est peut-être un mythe que je casse. Mais, super. Et puis, alors, le VSO, c'est toujours disponible, les droits? Et par contre, c'est pas absolument certain que ce soit encore disponible. Bon. Et vous pensez à ça quand vous écrivez un livre? Vous mettez des courses de bagnole, des scènes de sexe, pour que ce soit plus facilement adaptable au cinéma?
Plus j'écris et je travaille un peu pour le cinéma aussi parfois, ça m'arrive de me dire que je suis terriblement chanceuse d'être romancière. Parce que là, si j'écris que... Enfin, je ne l'ai pas encore fait vraiment, mais si j'imagine... Une baleine qui explose, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de limite. Lui de licorne, ouais. Aucun producteur va me dire que ça coûte trop cher. Ouais, c'est ça. C'est la magie du cinéma. Troisième message. Oui, bonsoir, ici Sven Pahu à Lausanne. Alors moi j'appelle parce que, en fait je lis beaucoup, mais que sur Instagram, voyez. Et là, je sors avec une fille qui m'a demandé c'était quoi mon livre préféré. Mais, sauf que je n'ai jamais lu un, moi, ce dimanche. Alors je voulais savoir si vous auriez un titre à me donner que je pourrais lui dire pour avoir l'air cool, voyez. Ou bien à la rigueur, un conseil pour que je n'achète un, mais... Alors attention qu'il soit pas trop long, hein. Parce que je suis rentré chez Payot l'autre jour, mais il y avait tellement de choix, mais moi je savais pas quoi prendre. Merci, hein. Un petit conseil ? Bah oui, merci pour votre question. Moi, ce qui me touche, c'est que vous parlez déjà d'une relation amoureuse, et je trouve que, en fait, un livre, on le rencontre où il nous rencontre. Et Non, mais pour lui, je crois qu'il faut juste lui donner une référence. Oui, mais justement. Et j'allais dire que moi, en fait, je suis très peu douée pour ça, parce qu'il faudrait que je connaisse toutes ces personnes. Ouais. Par contre, il y a des personnes incroyables dont le métier, c'est d'être des passeurs. Et en l'occurrence, ce sont les libraires. Ouais, ouais. Et en fait, vraiment, moi, je l'ai découvert assez tard. Mais quand on pose la question à un libraire, en fait, ils sont incroyables. Ils ont vraiment ce don de pouvoir trouver... Comme un droguiste, il arrive à trouver les bonnes essences. Oui, mais j'ai même une anecdote. Moi, je pose toujours la question aux libraires que je rencontre, des gens que toi, quand même, pas mal. Il y en a qui me disent que ça arrive régulièrement que des personnes viennent et disent « On m'a conseillé un livre incroyable, mais le problème, c'est que je ne sais plus le titre ni de quoi ça parle et je ne sais pas la couverture non plus. » Et en fait, généralement, les libraires arrivent à retrouver. Ils le trouvent. Bravo. Merci beaucoup. Elisa Tchia du Sapin, on vous souhaite une bonne suite de carrière. Merci beaucoup, c'est déjà terminé. Vous serez en résidence littéraire une année et demie là pour la suite. On vous souhaite bonne continuation. Merci, monsieur Beck. Merci, c'était un plaisir partagé. Prochain livre d'édition, Gilles Dufour à Auchan. Pardon. Prochain livre. Oui. À venir. La magie du cul. La magie du cul. Très bien. Voilà. 52 minutes, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve samedi 13 avril en direct du théâtre Nebbia à Vienne avec la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider en invité. Et d'ici là, bonne Pâques. Joyeuse.